Si Jean-Marie, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de voir dès maintenant comment vous allez pouvoir modifier l'icône de votre chaîne. Sur YouTube, vous vous connectez à votre chaîne en cliquant simplement sur « Ma chaîne ». Arrivé sur votre chaîne, vous avez votre icône, votre avatar de chaîne, ça s'appelait comme ça avant. Vous cliquez simplement sur « Modifier ». Généralement, sur les nouveaux comptes YouTube, vous avez une page Google Plus qui est liée. Donc vous avez tout simplement cliqué sur « Modifier sur Google Plus ». Vous avez basculé sur votre profil et on va vous demander d'importer une photo. Donc on va aller chercher une photo. Voilà mon super icône de chaîne que j'ai prévu. Je fais ouvrir. L'importation est en cours. Finalement, c'est ce qui prend le plus de temps. Vous recadrez pour vous mettre à la bonne taille. Vous faites définir comme photo de profil. Bon, ici, on n'a pas besoin de publier un post à propos de ça. Aujourd'hui, ma nouvelle photo est mise en ligne. Il vous suffit ensuite de retourner sur votre chaîne YouTube. Vous constaterez que votre icône de chaîne est désormais modifiée. Bon à savoir, la modification de l'icône de chaîne peut prendre jusqu'à 24 heures, ce qui fait que si vous ne voyez pas dans la foulée de votre modification votre icône de chaîne qui a changé, ne paniquez pas. Revenez sous 24 heures et vous pourrez voir que généralement la mise à jour de votre avatar, de votre icône de chaîne est réalisée. Voilà, ce petit tuto très rapide est terminé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les suggérer. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Et puis, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour avoir d'autres vidéos concernant YouTube. Bye bye, à bientôt.